Amandine, j'ai cette aubergine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça pousse? Alors, l'aubergine pousse à partir d'une graine. C'est un légume fruit, comme la tomate. Mm-hmm. Donc, on sème la petite graine qui est à l'intérieur. D'accord. Dans un petit pot avec de la terre, qu'on met en pépinière et qu'on laisse pousser pour devenir un petit plant qui ensuite va être replanté en serre. En serre parce que c'est un légume qui a besoin de beaucoup de chaleur pour pousser et pour faire les fruits. Est-ce que tu peux nous montrer sur la plante comment ça pousse? On a d'abord la fleur qui est pollinisée par différents insectes, donc les abeilles, les fourmis. Et ensuite, le fruit se forme. Donc on a d'abord un tout petit fruit qui va grossir. Ça ressemble déjà à une petite aubergine et on le laisse grossir jusqu'à la récolte. Du coup, la récolte, ça se passe quand? Alors, la récolte, c'est en plein été, donc à partir de mi-fin juillet ici dans le Nord. Et ça peut durer jusque fin septembre, début octobre. Mais c'est bien un légume d'été. Ok, donc on met nos lunettes de soleil, c'est un légume d'été. Mais on en trouve toute l'année des aubergines dans les magasins, comment ça se fait? Oui, alors l'aubergine est produite dans différents pays où il fait plus chaud, ou aussi ils cultivent l'aubergine dans des serres chauffées, des énormes serres chauffées. Et voilà, c'est pour ça qu'on en a toute l'année. Mais bon, elles ne sont pas produites dans des conditions optimum et au niveau bilan carbone, c'est pas terrible. Et alors la peau est violette à l'intérieur, c'est violet aussi? Non Sophie, la chair n'est pas violette à l'intérieur, elle est plutôt blanche, assez claire. Et on voit les petits pépins à l'intérieur, donc ce sont les petites graines. Et comme tu peux le voir, regarde, on a plusieurs variétés d'aubergines. Donc on a différentes couleurs. Celle-ci, elle est plutôt rose et ronde. Énorme. Et différentes formes. Celle-ci est longue et rose. Voilà. On a des blanches également, qui ressemblent fort à la violette, qu'on a l'habitude de voir... à la noire plutôt. Magnifique. Et ici on a les rondes. Oui, on a moins l'habitude de les voir. Oui. Et alors, quelle est ta recette préférée? Moi j'aime bien la moussaka, Sophie. Ah oui, un plat grec. Oui, c'est ça. Ok. Et toi, quelle est ta recette préférée? Moi, la ratatouille de ma grand-mère. Excellent. Et ben, bon appétit les enfants!